Sœurs et frères, bienvenue à cette célébration où le Christ, source de tout amour, nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nous sommes invités à prier ce matin de façon particulière en remerciement à Sainte Philomène, demandée par Madame Céline Brunet. Sachons accueillir la miséricorde de Dieu qui nous pousse à des dépassements. Tu nous invites à partager nos biens et nos talents. Seigneur, prends pitié. Tu nous appelles à témoigner de l'Évangile par toute notre vie. Ô Christ, prends pitié. Tu nous demandes de construire un monde où règne la justice et la vérité. Seigneur, prends pitié. Que Dieu tout aimant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et nous prions le Seigneur. Répands ta grâce en nos cœurs, Dieu de bonté, que nous sachions refréner nos désirs terrestres pour mieux entendre ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Osée. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte une belle offrande. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains « Tu es notre Dieu ». Car toi seul as compassion de l'orphelin. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité. Je leur prodiguerai mon amour, car je suis revenu de ma colère. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys, il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le blé. Ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert. C'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits, les justes y avancent, les pécheurs y tombent. Parole du Seigneur. Mais écoutons la voix du Seigneur.
peuple n'a pas écouté ma voix. J'ai ôté le poids qui charge ses épaules. Ses mains ont déposé le fardeau. Quand tu étais sous l'oppression, je t'ai sauvé. Je répondais caché dans l'orage. Je t'éprouvais près des eaux de Meriba. Écoute, je t'adjure, ô mon peuple, vas-tu m'écouter, Israël? Tu n'auras pas chez toi d'autre Dieu, tu ne serviras aucun Dieu étranger. C'est moi, le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait monter de la terre d'Égypte. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins, je le nourrirais de la fleur du froment, je le rassasirais avec le miel du rocher. Soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Un scribe s'avança vers Jésus et lui demanda : quel est le premier de tous les commandements ? Jésus lui fit cette réponse : voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit : fort bien, maître, tu as raison de dire que Dieu est l'unique et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toutes les offrandes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit : tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Eugénie était une bonne vieille grand-mère. Et un jour, elle dit à son petit-fils, dont elle avait la garde : est-ce que tu connais la danse du chrétien ? Non, qui lui répond. Elle dit : c'est pas difficile. Aime Dieu, aime ton prochain, aime Dieu, aime ton prochain. Aime Dieu, aime ton prochain. Et elle virevolte dans le salon en chantant ça.
Et elle lui dit, tu vois, ces deux mouvements ne font qu'une danse. Et si tu la danses bien, tu es un bon chrétien. C'est ce que le Christ nous dit dans l'Évangile d'aujourd'hui. Aimer Dieu et aimer son prochain. C'est imbriqué l'un dans l'autre. Saint Jean ira plus loin en disant, celui qui dit j'aime Dieu et qui n'aime pas ses frères est un menteur. Car comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas tes frères que tu vois? L'amour que nous avons du prochain est la meilleure expression de notre amour de Dieu. Vous savez, dire j'aime Dieu, oh oui, j'aime Dieu, ce que je l'aime, Dieu, mon Dieu, que je t'aime, ça n'est pas très engageant et il ne viendra pas nous contredire. Mais la meilleure façon que nous avons de dire que nous aimons Dieu, c'est en aimant notre prochain. Et en l'aimant comme nous-mêmes, ou comme un autre nous-mêmes, c'est-à-dire à la manière du Christ, de tout notre cœur, en étant en compassion à ses misères, à ses souffrances, en étant des êtres de service, en étant donnés entièrement à cet amour. Il n'y a pas d'autre commandement que ce commandement d'amour à double face, amour de Dieu et amour du prochain. C'est la seule façon d'être chrétien. Ce n'est pas en passant ses journées devant le Saint-Sacrement, ce n'est pas en disant 5 rosaires par jour, c'est en aimant Dieu et en le prouvant par notre amour du prochain. Et nos prières prennent tout leur sens si elles ont aussi, s'il y a aussi cet amour du prochain et de Dieu. Alors, durant cette Eucharistie, demandons à Dieu de bien danser la danse du chrétien. Aime Dieu, aime ton prochain. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Jette un regard bienveillant
sur les offrandes que nous te consacrons, qu'elles deviennent l'offrande que tu aimes, qu'elles nous apportent le salut par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leur égoïsme afin qu'en travaillant à ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. De toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde,
fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Jean-Claude et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, le Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Pour la communion, il y aura un ministre en face de chaque allée. Et vous avancez en procession. Aimer Dieu de tout son cœur et son prochain comme soi-même vaut mieux que tous les sacrifices. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Thank you.
Prions le Seigneur. Que ta propre énergie, Seigneur, transforme nos esprits et nos corps. Ainsi, nous serons sauvés tout entiers dans cette communion à ton Fils, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu tout aimant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Puissions-nous, tous les jours de notre vie, danser la danse du chrétien. Aime Dieu, aime ton prochain. Allez dans la joie et dans la paix du Christ. Amen.